Premier-né de la société BLR Communication, la rigueur bino.com est le seul et premier site web d'humour 100% africain diffusant tous les gags et drôleries du continent. Bamba Nuo, alias Bambino, créateur du site larigueurbino.com, a au cours d'une conférence qu'il a animée samedi dernier à Cocody, expliqué les raisons de la création de ce site. Il y a plusieurs choses qui ont motivé la création de ce site. Comme je l'ai si bien dit, j'étais déjà un faiseur de buzz et j'ai des amis qui m'ont demandé de créer un site. Je négligeais tous les jours jusqu'à ce que Facebook mais détruit au moins 5 fois, 6 fois. Donc chaque fois qu'on me détruisait, on me bloquait, on me supprimait, je revenais. Et quand je reviens, j'ai encore du monde. Je dis, mais attends petit, chaque fois c'est toi qu'on supprime là. Au-delà, il faut créer ton truc, toi tu as supprimé les gens. Et puis derrière, c'est Zuckerberg là, quel âge même, puis il supprime les gens. Donc d'accord, j'ai créé pour moi. Et puis je l'ai fait venir à Abidjan, il va voir aussi. Et après, il y a Salif aussi qui m'a motivé. Il m'a dit, écoute, tu sais, moi je suis dans l'art. Ce que tu fais, c'est aussi de l'art. Et ça pourrait bien marcher. Vas-y. Faire quelque chose. Étant donné que je suis informaticien moi-même de formation, et avec mon petit frère Michel, on s'est assis, on a monté le site et on a essayé de penser dans la tête des autres, de penser ce que les autres n'avaient pas fait et en même temps de rester africain. Et c'est un site qui est complètement gratuit. C'est gratuit pour les visiteurs, c'est gratuit aussi pour tous ceux qui viennent poser leurs vidéos. Hein? Parce que ça sera visible et c'est à leur avantage tout ça. Aujourd'hui, ils seront visibles ailleurs, ils vont s'appeler, ils vont faire des contrats eux. C'est-à-dire, celui qui veut, il fait sa vidéo, il signe en bas, il met son numéro de téléphone, il est aimé en France, quelqu'un l'appelle, c'est entre eux. Donc moi, en fait, c'est aussi pour aider ce site-là. C'est vrai que je fais des caricatures, hein. Je vais croquer l'actualité, mais je vais les croquer de façon décente parce qu'on est en Afrique, on a des valeurs, il y a des choses qu'on respecte. Nous, on respecte la hiérarchie de la famille, on respecte les parents, on respecte les us, les coutumes. Donc il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. La liberté de presse, c'est vrai, mais nous là, on a la liberté des grands frères aussi, on a la liberté de l'aîné et on a la liberté de marcher en société. Donc on n'a pas la même liberté que les blancs. Promouvoir l'art humoristique africain, apporter la gaieté à travers ses gags, ses histoires drôles et ses vidéos, larigueurbino.com a pour objectif de distiller la bonne humeur et de faire la promotion de l'art et de la culture humoristique africaine. Aussi, veut-il la sensibiliser à travers ses différentes rubriques qui sont entre autres le Bino Show, Africa Comique, Confidence, Situation Bandécon, Conneries, le mot du jour, télé, radio, le chat et même les jeux sur les fléaux sociaux. L'artiste musicien Asalfo, lead vocal du groupe Magic System, par ailleurs parrain de la cérémonie, a lancé un vibrant appel à toute la population pour apporter son soutien au concepteur pour la bonne marche effective du site larigueurbino.com. Ma présence ce soir, c'était déjà pour signifier tout mon attachement au bon projet et puis aussi apporter mes encouragements à l'initiateur de ce projet qui est Bino La Rigueur. Je crois que c'est une belle initiative, c'est une initiative louable et nous devons l'accompagner. C'est ce qui a valu mon déplacement ce soir ici. Il y a des amitiés qui ne peuvent pas se définir par une date. Et je ne me souviens pas forcément à quel moment on s'est connus. Mais une chose est sûre, je crois que ce sont les bonnes vibrations qui nous ont mis ensemble. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a toujours su partager la joie de vivre, qui a toujours su partager l'amour, qui a des valeurs. Nous avons réciproquement les mêmes valeurs et je crois que c'est ce qui est le plus important dans une amitié. Restez connectés sur Ivoire TV parce que c'est un bon relais d'information. Nous tous, nous suivons Ivoire TV quand nous sommes à l'étranger, partout où nous passons. Donc c'est bien de rester connectés dessus et puis aussi de soutenir le nouveau projet de Bino, c'est-à-dire larigueurbino.com.